Bonjour tout le monde, c'est Dédé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui, nous continuons les enclos parfaits et nous en sommes arrivés au Lycaon. C'est parti, je vous emmène dans le jeu et je vous explique tout. Nous voici sur la page du Zoopédie comme d'habitude. On voit qu'on est très bien sur le Lycaon comme prévu. La population dans la nature est de 6600, c'est une espèce en danger. Alors attention, ils vivent majoritairement en Afrique et en Afrique subsaharienne. Ils adorent les biens de prairies et déserts. On va en mettre 4 dans l'enclos et vous remarquerez que le terrain requis est exactement le même que pour les loups arctiques et les loups Gris. Il peut supporter des températures beaucoup plus élevées de 16 à 40 degrés il n'a besoin que d'une clôture de niveau 2 d'au moins 1m25. Alors je suis pas d'accord avec les développeurs encore une fois. Pour le groupe ils peuvent être jusqu'à 27, 27 mâles et 9 femelles. Sinon célibatairement parlant, ils peuvent être 27 de chaque sexe. Et ils fonctionnent avec une domination d'alpha. Il n'y a que le couple alpha qui se reproduit. Et là c'est bien précisé. Ils sont confiants avec les humains et les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'habitat. Mais je vous ai déjà montré les techniques pour les faire rentrer au cas où. Ils vivent une dizaine d'années, 11 ans pour être exact, et ils sont stériles à peu près quelques temps avant leur mort, de ce que je vois et de ce que je comprends. Ils ont des portées de 6 maximum de petits poulets un an et deux mois. Et ils ne bénéficient d'aucune optimisation inter-espèce. Alors, sachez, petite parenthèse, pour ces optimisations, même s'il n'y a pas d'animaux, sachez que certains animaux peuvent quand même se côtoyer sans forcément bénéficier d'une optimisation inter-espèce. Alors je sais plus quelles espèces exactement, mais on avait déjà fait les tests avec le fameux crash test Battle Royale. Il est temps pour moi de vous montrer l'enclos que j'ai construit ici dans la dernière zone qui était vide jusqu'à euh, maintenant pour le zoo. Alors sachez que c'est là qu'on va mettre les licaons, Ils vont évoluer sur un terrain qui va être fendu en deux. Et j'ai laissé volontairement une clôture plus petite à cet endroit-là pour potentiellement mettre une autre espèce qui n'a pas besoin beaucoup d'espace, telle que les suricates. Mais si besoin, on cassera la clôture et on leur laissera tout le terrain. Parce que si je mets des cailloux et que ça leur prive de terrain, ça va être trop court. Nous sommes sur un terrain qui fait bien 1736 mètres carrés. Il y a 234 m d'eau et la profondeur moyenne de l'eau est de 74 cm. Il y a beaucoup d'herbes longues, très peu d'herbes courtes, très peu de roches, pas de sable, pas de neige et très peu de terre. L'environnement, il n'y a qu'une plante qui est considérée dedans et c'est la plante des gaviales du Gange, si je dis pas de bêtises. En termes de couverture, j'ai mis un générateur d'eau à cet endroit, on essaiera de le cacher du mieux qu'on peut, histoire que ça fasse joli esthétiquement parlant. On est tout au bout de ce long chemin, donc les bâtiments du staff sont ici, ils entretiennent beaucoup d'enclos, hein. on a littéralement, je crois, 6 euh, enclos en tout, pour euh, une petite zone de staff mais ils tiennent le coup il n'y a que le mécanicien qui a du mal et il répare pas forcément toutes les clôtures à temps là c'est juste un petit côté gestion on va pouvoir mettre les nouveaux animaux nos petits monstres sont enfin dans l'enclos et le vétérinaire ne peut pas les atteindre donc il y a un problème de zone alors sachez que les zones je pense que je vais toutes les refaire parce que c'est affreusement chaotique il y en a beaucoup trop vraiment pour vous dire ça bug parce que même là il reste affiché donc on est sur les gaviales et on va rajouter euh, bah du coup les licaons on va retirer le S pour économiser un petit peu les lettres, on va laisser crocodile marin. Donc on laisse crocodile, lama, chien, gavial, licaon. C'est parfait. La zone de travail du parc entier, si je dis pas de bêtises, on va la mettre à jour. Alors à chaque fois que je l'utilise, ça bug énormément. Le problème est résolu pour les zones. Je n'ai plus les alertes. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos petits animaux. Leur bien-être est à 76% quand ils arrivent dans l'enclos sans rien rajouter. Je vois que l'habitat n'est pas bon, le social est parfait, l'alimentation n'est pas bon non plus, et leur manque les optimisations. Première étape, changer la Nourriture. On sélectionne l'enclos et on prend animaux et on voit que ça coûte 1500 dollars pour mettre la qualité niveau 3. Et c'est ce qu'on va faire. Pour l'alimentation, on ne devrait pas euh, s'en occuper puisque tout est bon. Pour l'habitat, ce qui ne va pas apparemment, c'est le terrain et bien évidemment l'abri. Pour le terrain, on va se pencher dessus. On voit que 63% c'est déjà honorable. Ils ne bénéficient pas de la protection du bâtiment d'à côté. Forcément, ils ne peuvent pas se mettre en dessous, donc c'est normal qu'ils n'en bénéficient pas. Et on voit qu'il leur faut un peu plus de terre, plus d'herbes courtes. Bah, écoutez, on va mettre énormément de terre, notamment le long de cette fausse petite rivière que j'ai faite, parce qu'on mettra des cailloux tout autour pour rendre ça un peu plus joli. Pour la terre, on est bon, j'ai mis autour de la rivière ou du fleuve. Vous voyez ça comme vous voulez. Et là, pour l'herbe courte, on va mettre à fond et on va faire des grands petits pinceaux comme ceci, un petit peu partout. Voilà. Pour l'herbe courte, c'est bon, le terrain est à 100%. Il leur manque l'abri. Pour l'abri, je pense qu'on va piquer le même qu'on a mis au loup et qu'on a mis au félin. C'est exactement les mêmes. Je pense qu'il fera l'affaire. Et euh, montra nos animaux à 100%. Pour ce faire, on va coller ce bâtiment à celui-ci du mieux que l'on peut. Il faut savoir qu'il y a de l'eau juste derrière. Donc ça peut être potentiellement un risque. Mais ça devrait aller. Je pense que cette zone est très très bien. Les visiteurs ont une petite coupure. Comme ça, ils passent pas d'un enclos à un autre. Plutôt pas mal. Pour l'abri, c'est bon. Pour l'habitat, on est tout juste en termes de mètres carrés. On verra avec les rochers ce que ça donnera. Mais apparemment, habitat, on est à 99% à cause des plants. Voyons voir si on peut déplacer cette plante qui était là. Alors je l'ai cachée avec des rochers. On peut on sent qu'elle ne compterait pas, mais apparemment elle compte quand même. Après, je suis pas obligé de le mettre. Ah, je pense qu'on va devoir les retirer celle-là. Car après sous l'eau des gaviales et euh, carrément ça ça tombe en fait. Et on a trois plantes. Ben écoutez, on va les supprimer. On va regarder vite fait ce que ça donne. Ouais, quasi soit ou pas, ça change pas grand chose. J'ai envie de dire c'est très bien. Ils sont du coup montés à 83% de bien-être général. C'est plutôt motivant. L'alimentation, ils sont à 96%. Alors c'est peut-être lui qui a 96, étant donné qu'ils n'ont pas encore mangé. Euh, ça dépend directement de l'individu. Oh ils ont dû déjà mangé, je pense, mais la nourriture n'était pas à 100%. Il doit manquer quelque chose. Il ne reste plus que leur optimisation et à décorer l'enclos, bien évidemment. On va taper l'Icaon dans la barre de recherche et on va sélectionner optimisation alimentaire. Je vois qu'on a la mangeoire key qui est trop mignonne et toute petite. Je pense que c'est peut-être un bug pour eux parce qu'ils n'ont pas le gabarit pour, mais pourquoi pas, ça peut être drôle. Et on va leur mettre une petite qui. on va voir si ça compte dans les optimisations. Je ne pense pas. Ah, si ça compte pour 5 points. C'est trop mignon. On va leur mettre une mangeoire surélevée ici. Alors, on peut le mettre un petit Petit peu plus loin. Hein. Ça donne 20 points d'un coup. On va remettre une autre quille à côté de leur maison. Et je pense qu'on va leur mettre une mangeoire bambou. Il ne reste plus que les jouets. Alors les jouets, ben comme d'habitude, ce sont des canidés. Donc on a le droit à l'os. Amaché donne 50 points, parlons-en. On a le droit au ballon, au carton. Alors là, on va plutôt rester sauvage, donc trace de sang et sac à viande. Et ils sont à 250 points, l'optimisation est parfaite. Leur bien-être global est à 98% pour cet individu, je pense que c'est 98-99. Voilà, il leur reste plus qu'à manger. Et c'est tout, en fait, leur enclos est fait. On va regarder quand même les plantes. On voit qu'ils n'ont pas beaucoup de plantes, étant donné que c'est euh, bah, comme d'habitude un animal afrique. Les plantes sont très dispersées et très euh, clairçues. -so un peu comme pour les éléphants en face au final, donc on va rester sur le même style, un petit peu clairsemé, un arbre ou deux, pas plus, alors, rien que deux arbres on est à 27%, alors je vais pas pouvoir mettre beaucoup, il me semble qu'on a le droit au drain en Afrique, et ça c'est trop cool, puisque le drain on peut en mettre vraiment beaucoup, n'oubliez pas qu'on a la fonction de rotation aléatoire pour mettre l'un de plantes, sachez que quand on met des plantes sous un volume d'arbres, eh bien elles ne comptent pas, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. On va mettre quelques plantes ici également. On va mettre quelques plantes ici également. Et après, ce sera un énorme travail sur les rochers. Avec ces quelques plantes-là, déjà, c'est un peu mieux. Alors ici, ils ont des rochers gris qui viennent de l'enclos des gaviales du Gange. On va les laisser comme ça. J'ai mis également un gris ici. Mais en revanche, là, ce sera bien des rochers de type Afrique rouge. Euh, sachez qu'ils sont assez loin des visiteurs. Bon, les visiteurs vont voir quand même un rocher gris. Mais vu qu'ils sont loin, on peut les camoufler avec d'autres trucs, des fougères ou des choses comme ça. Donc ça me dérange vraiment pas de les laisser. Euh, D'ailleurs, on va camoufler avec des herbes éléphants. C'est parfait. Le problème, c'est que ça va réduire un petit peu l'espace de nos chers animaux. Ils ont droit à 35% de plomb. Là, je suis vraiment à la limite. Alors, pour ce faire, pour casser un petit peu le fait que ce soit vide, que ça fasse des plaines très jolies quand même, mais que ça fasse vide, on va mettre un petit peu des surélévations et des crevasses, voir de rendre ça un peu plus joli, un peu plus rempli, sans pour forcément remplir la zone. Pensez avant de faire ça, de vous mettre en échantillon. Et voilà, après quelques minutes de construction sur ce petit enclos, enfin petit, c'est quand même 1500 mètres carrés, c'est énorme. Le bien très bien à 100%, il me reste à mettre les paillis pour faire dodo. On va le faire ensemble. On prend juste le paillis et on pose comme ça jusqu'à ce que le jeu me remplit bien l'intégralité de leur petit abri. On prend plus petit pour les coins et le tour est joué. L'espace est assez suffisant, on est à 30 mètres carrés à peu près d'écart avec la limite qu'il faut donc s'ils font des bébés ça ira en nurserie. Vous prenez la mère avec les bébés, vous la mettez en nurserie et vous la remplacez dans l'enclos par une autre femelle d'un autre parc, histoire d'enchaîner les bébés. Le mâle peut se reproduire autant de fois qu'il veut, alors que la femelle, non. J'ai fait une sorte de petite rivière qui s'écoule dans ce sens-là. On va vers les visiteurs. Je n'ai pas mis les panneaux, tout ça. Je vais le faire après hors vidéo. Je n'ai pas rajouté plus de plantes parce qu'on est à la limite de ce qu'ils ont besoin. Malheureusement, ils n'aiment pas beaucoup les plantes. À 2% près, je peux encore mettre 2-3 trucs, mais 2% près, ils ne vont pas être contents. Pour cacher la pompe, au final, j'ai opté pour un mur comme ceci. Donc, c'est une clôture de galets avec une cage de fer qui retient les galets. Et j'ai mis également la séparation tout le long ici. Parce que je ne sais pas si je vais mettre un autre animal dans cet endroit-là. Je pense que oui, euh, histoire d'optimiser le zoo au maximum. Parce que dans le zoo, regardez où est-ce que nous sommes, nous sommes là. Et c'est très petit comparé à l'intégralité du zoo. Les salariés entretiennent bien les animaux, donc à ce niveau-là, il n'y a plus d'erreur de gestion. J'ai rajouté un mécanicien qui répare plus souvent la clôture, donc ça c'est cool. Je lui ai dit de passer plus souvent également. Et nos petits licaons évoluent dans cette petite zone. Tranquillement, je pense. Malheureusement, ce sera la même critique que je fais pour tous les animaux afrique de ce jeu. L'enclos fait vide. Si je rajoute d'autres trucs, ça va supprimer de leur espace, ça va supprimer euh, leur bien-être en termes des plantes, parce que c'est soit des plantes, soit des cailloux. En fait, on peut pas rajouter d'autres choses, à moins que je peux mettre des bâtiments, des choses futuristiques faire des choses volantes, etc. Mais là, je, je reste dans un jeu normal, donc je ne peux pas rajouter ce que je veux. Après, j'ai rajouté des petites bosses histoire de casser le fait que ce soit vide. Ça marche un petit peu, mais pas à 100 D'ailleurs Ici, il faudra que je pense à utiliser les nouvelles barrières du jeu qui vont bloquer les visiteurs. On voit quand même globalement qu'il y a encore des trous dans la clôture à corriger. Euh, mais ça, c'est juste de la gestion, ça devrait aller. Voilà pour l'enclos des Lycaons de Planet Zoo. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à vous. Si toutefois vous avez des recommandations à faire, il y a l'espace commentaire sous la vidéo. Et sinon, moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était Dédé. Salut.